Ben pour le moment, la remontée, ben, c'est quasiment comme toutes les pistes du coin. C'est roulant, pas trop en pente. Par contre, je viens de passer à un endroit où c'est inroulable, hein, c'est que des gros pavés. Pas beaucoup fréquenté cette piste. Hein. Et quand le chemin commence à suivre les pipelines, ou les oléoducs, ou ce qu'on veut, ben, c'est pas top. S'occupe pas du dénivelé de la pente. Ça là-bas au fond, ça doit être à pied. Ah, ça ne va pas là. Elle tourne ici. Oh, elle est là. Donc. Ça, par contre, ça ressemble aux petites parties cultivées qu'on laisse pour les animaux pour l'hiver et le printemps, pour toute l'année d'ailleurs. Il y en a un peu partout dans les collines, ils mettent du blé ou je sais pas quoi. Et heureusement que c'est sec, hein. J'ai l'impression que c'est une ancienne piste. Ils s'en sont servis pour ça. En tout cas, je suis bien sur ma trace. Ça roule bien, ça roule mieux que sur la piste caillouteuse. Là, par contre, je porte le vélo à cause de toutes ces espèces de chardons par terre là. Pas envie de crever là. Ni ailleurs d'ailleurs. Hein. Bon, finalement tout droit ça a ramené là aussi. En tout cas c'est bien. Ça me change des parcours habituels. Voilà, plaine du Boutier. Eh ben, c'est bien joli par là. Hein. Ah, parce que moi je vais à droite. Alors j'espère que la descente va être praticable, ça c'est une chose. Sauf que vers le bas, on arrive sur la clôture de Total. C'est à savoir si mon chemin il passe à travers la clôture ou non. Si c'est le cas, ben, je trouve un autre endroit pour passer et je vais être bloqué en bas dans Total. Va bien. Effectivement, on est au-dessus de la raffinerie. C'est exprès que ma trace fait le tour plus ou moins de la plaine. Hein. Tout à l'heure, en allant tout droit, je gagnais un kilomètre. Pas un kilomètre, mais pas loin. Je sais. Voilà, là j'arrive à la descente. Là.